Good morgen, allez, Yiden, les tuches aujourd'hui, le Nishmat, Chayester, Bat Miriam, Mitzrak, Pérez, Ben Fortuna, et Chay Michel, Ben Sotana, si vous souhaitez vous aider à la prochaine étude de Mishnah, correct, 5 minutes éternelles. Nous étudions Massachat Shabbat, Perek Tetzain, Mishnah Chet. Nochri, Sheidli, Ketaner, Mishtamesh, Le Oro, Israël. Vim, Mishul, Israël, Asur. Mile, Maim, Le Hashkot, Behemto. Mashke, Acharav, Israël. Vim, Mishul, Israël, Asur. Asagoy, Kevesh, Le Redbo, Yored, Acharav, Israël. ואם בשביל ישראל, אסור. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ועשה גוי כבש לרד בו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. On va parler dans notre mission, on continue le sujet du amiral et nochri, demander, plutôt, interdit de dire à un goy, ou même de laisser un goy faire quelque chose pour notre profit. Qu'on a évoqué en fait dans la Mishnah, lorsqu'on avait parlé, le goy qui vient éteindre le feu, on avait vu là-bas qu'un goy peut venir éteindre le feu pour lui-même, s'il sait qu'il le fait pour lui-même, parce qu'il sait que grâce à ça, il va recevoir des cadeaux, donc il n'est pas en train de le faire pour le juif. Du coup, dans notre Mishnah, on va découvrir à présent quelque chose de très délicat. Je vous ai déjà dit qu'on étudiait la Mishnah, le principe, demander à un goy de faire un travail, pour un juif. C'est quelque chose qui c'est un petit peu, qui est d'abord dans l'Halakha, qui est très complexe. J'ai dit, j'ai une connaissance, un ami, si je peux dire un ami sur un arabe aussi, Khashouv, qui a écrit un gros livre entièrement sur Amiral et Nochri, un livre de Pilpoulim, mais c'est très, très vaste, très compliqué comme Halakha. Personnellement, je ne connais pas le sujet, et quand j'ai un problème, je demande à quelqu'un qui connaît, parce que très facilement, on peut se tromper. En l'occurrence, cas classique, on attend que la lumière s'allume dans les escaliers, puis il y a un goy qui passe, un voisin qui passe, et il a compris qu'on attend que les juifs ne transgressent pas Shabbat. Donc du coup, il leur allume la lumière. Est-ce que vous avez le droit de monter? Figurez-vous que ça sourd. C'est écrit ici dans la Mishnah, c'est ce qu'on va découvrir. Même si on ne lui a rien dit, on lui a parlé par allusion. Du coup, d'accord? Donc, je traduis maintenant la Mishnah, on va avoir trois cas de figure, c'est un peu le même principe. Et il y a une nécessité pour qu'on en rapporte les trois. Je traduis tout d'un coup parce que ça va être facile. Nochri Sheidli Ketaner. Un goy qui allumait un feu, une veilleuse, pour lui-même. Mishtamesh le roi Israël. Puisqu'il allumait pour lui, alors un juif, un Israël, il aura le droit d'être Mishtamesh, de l'utiliser. Un Israël pourra utiliser sa lumière. Par contre, Vim Bijvil Israël, mais s'il l'a fait pour le juif, c'est assour. Vous avez compris le cas? Un goy qui allume une veilleuse, si c'est pour lire, c'est permis. C'est pour que lui lise, c'est permis. Mais s'il le fait pour que je puisse lire, ou je puisse voir, j'aurai plus le droit de profiter. Même mieux que ça, la Gemara le précise. Si un goy va allumer, pas pour son propre profit, mais pour. Il voit qu'il y a un juif et un goy qui ont besoin de la lumière, mais que le goy il a les doigts bandés, il ne peut pas allumer le. Il n'a pas sur la lumière, et le juif il sait qu'il. Il va et l'allume. Même sur ça, il y a un, il ne peut pas allumer. Et s'il allume, le juif ne pourra pas monter, parce que peut-être que son intention essentielle était pour le juif. Par contre, s'il y a une majorité de goy, je vous rapporte, c'est la Gemara, c'est rapporté ici dans le Tifrat d'Israël, s'il y a le goy, par contre, il y a plus de goyim que de juifs, il ne fait pas pour lui-même, il fait pour des autres personnes, où il y a plus de goy que de juifs, là dans ce cas-là on dira, logiquement, il l'a fait pour les goyim, mais pas pour les juifs. Mais dès qu'il va y avoir une majorité de juifs, ou même moitié-moitié, on ne pourra plus profiter. Tout ça s'explicite dans la Gemara ici. Donc je reprends la Mishnah. On a dit premier cas, Nochri Sheidli Ketaner, un goy qui allume une veilleuse, Mishtamesh le Oro Israël, un juif pourra utiliser sa lumière. Vim Bijvil Israël, par contre, s'il allumait pour le juif, c'est certain, c'est assour. Même principe. Mille maim le hashkot behemto. Il a rempli de l'eau pour donner à boire à son animal, sa vache, son cheval. Il a puisé de l'eau. Or, le bord, il est dans le réchaud Tayachid, et il puise et le fait sortir dans le réchaud d'Arabie. Mais on n'en voit plus lui, qu'il a transporté quelque chose. Et maintenant, l'eau, elle est posée maintenant. Ah, il l'a fait pour lui-même. Alors là, Mashke Acharav Israël, le juif pourra en profiter. On parle du cas où... non, d'abord je finis la petite phrase tout de suite. Vim Bijvil Israël, par contre, s'il a fait pour le juif, ça assourd. Là, c'est un cas un peu plus, encore plus délicat. Parce que là-bas, pour le nerf, pour la veilleuse, ben, il allumait une veilleuse pour en profiter, alors ça ne le dérange pas si le juif, il en profite après. Mais là, lorsqu'il va puiser de l'eau pour l'animal, pour son animal et qu'il en reste, il y a lieu de craindre que peut-être qu'il a puisé plus d'eau. Et c'est pour ça que la Gemara a dit qu'on parle du cas où il ne savait pas qu'il y avait le juif dans les parages, ou bien il ne connaît pas ce juif. Donc il n'avait pas d'intérêt à se fatiguer, à puiser de l'eau pour rien. Par contre, s'il est en train de puiser de l'eau, il voit qu'il y a le juif qui arrive et qui va avoir besoin de l'eau, mais qui ne va pas oser lui demander, qui sait bien que chez les juifs, le Shabbat, on n'a pas le droit de puiser, du rechut aéré, du rechut d'arabim. Et du coup, naturellement, il se met à puiser plus, il donne à boire à son animal, puis après il part en naissant, j'aurais pas le droit d'en profiter, parce que cette fois-ci, il l'aura fait
pour le juif puisqu'il le connaît. Il l'a fait devant le juif alors qu'il connaît le juif, c'est probable qu'il a fait plus pour le juif. Alors que si c'était allumer la veilleuse, et que c'était pour son propre profit, alors là on pourra en profiter après, parce que de toute façon, il avait besoin d'allumer le même nerf, la même veilleuse pour lui-même. D'accord? Vous avez compris? Le principe, retenez le principe. Dès qu'il va faire quelque chose de spécifique pour le juif qu'il n'aurait pas fait s'il le faisait pour lui-même, eh ben ça devient un sourd. Donc finalement, allume une veilleuse. Si on en a besoin, c'est permis, même si c'est que le juif, il va en profiter. Puiser de l'eau, la quantité qu'il a puisée, les 20 litres qu'il a puisé, ce qu'il a besoin, c'est pour lui. Et s'il en reste, on a le droit d'en profiter. Mais ce qu'il a fait en plus pour le juif, ce sera sûr. Ensuite, Asa Goy Kevesh Leredbo. Le Goy a fait un Kevesh, il a fait un pont pour descendre par lui. C'est-à-dire, on parle qu'ils étaient sur un bateau, comme ça va être l'histoire juste après. Il fallait ressortir, et le Goy, il a fabriqué, il a pris des bois, il les a attachés. Donc il a fabriqué un cli. Et après, il est descendu du bateau. Ah, dans ce cas-là, il y aurait d'Achamav Israël. Le juif, il aura le droit d'en profiter de descendre. Mais une bijou d'Israël, mais s'il a fait pour le juif, ce sera sourd. Et d'ailleurs, Nagmal nous raconte, Maaseh b'Rabban Gamliel Ozkenim. L'histoire avec les Rabban, Gamliel et les Zkenim, les sages, Shayu Bain Basfina, ils étaient sur un bateau même pendant Shabbat, à l'époque où on pouvait parfois rester pendant 2-3 semaines sur un bateau. Ils ont accosté avant Shabbat ou à Shabbat, je ne sais pas. Et puis, donc il a fallu maintenant descendre du bateau. Et ils ont fabriqué un. Et le Goy, il a fabriqué un pont pour descendre du bateau. Veyardoubo, Rabban Gamliel Ouzkenim. Et Rabban Gamliel et les sages sont descendus. Et les Rabbanim qui étaient avec lui sont tous descendus du pont. Techniquement, il y a un problème de Hérouvin, c'est pour ça que j'ai dit que le bateau, il est peut-être accosté avant Shabbat, et qu'ils sont descendus qu'après Shabbat, sinon on n'a pas le droit de sortir du bateau, je crois. On aura l'occasion de découvrir tout ça dans Hérouvin, il me semble, mais pour le moment, en tout cas, par rapport à l'interdit du Goy qui fait un travail pendant Shabbat, alors la Mishnah me dit clairement, puisque le Goy l'a fait pour lui-même, puisqu'il avait lui aussi besoin de descendre du bateau, les Rabban Gamel et les Rabbanim ont pu descendre après lui. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.